Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. C'est l'heure de connaître ton niveau de français. Es hora de conocer tu nivel de francés. Pour ce faire, nous allons nous aider du classement qui a été établi par le CECRL. Entonces tenemos A1 y A2 niveles básicos, B1 y B2 niveles intermedios y C1 y C2 para niveles avanzados. Para cada nivel vamos a tener 6 preguntas, tendrás que contestar a 6 preguntas. Te dejaré un poquito de tiempo para que lo pienses y contestes en casa. Y bueno, si contestas a 5 de las 6 preguntas, podríamos decir que ya tienes el nivel. Pero aquí en este video lo que queremos es tener una idea de tu nivel, ya que para saber tu nivel de verdad tendríamos que comprobar tu comprensión oral y ver cómo tú hablas y la comprensión también escrita. Pero bueno, ya tendremos una idea de tu nivel y te pido que al final de este video me dejes un comentario para decirme cuál es tu nivel y bueno, hasta qué nivel llegaste sin fallar. En este canal tenemos un nuevo patrocinador que he elegido cuidadosamente entre todos los demás porque creo que puede ser un reto muy útil para vosotros. Por eso me parece interesante presentaros la plataforma Lingoda. Y en particular te recomiendo su curso intensivo que se llama Language Sprint, el cual te ofrece clases de francés todos los días y un reembolso de hasta 100% en forma de créditos. Ahora te cuento el reto. Lingoda es una escuela de idioma en línea. Tomas clases con profesores bien cualificados, con clases con pocos alumnos para que te puedan atender bien y se proporcionan todos los materiales de aprendizaje. La buena noticia es que justo este mes empiezan los siguientes Language Sprint. El Super Sprint es el desafío más grande. Son 30 clases en un mes. Yo cuando decido hacer algo me gusta implicarme de verdad y es exactamente lo que te espera con este programa, con clases de francés todos los días durante un mes para mejorar tu nivel en poco tiempo y a precio reducido. Si completas cada una de esas clases, Lingoda te devolverá el 50% de tu dinero o bien puedes usar los créditos para tener más clases de francés y así tener un 100% de reembolso. Si eso te parece imposible, puedes elegir hacer el sprint regular, que son 15 clases durante un mes. Si tú realizas cada una de esas clases, Lingoda te devolverá el 50% de tu dinero o bien puedes reutilizar los créditos para más clases. ¿Est-ce que tu es prêt à relever le défi? ¿Estás preparado para el desafío? Bueno, ya puedes registrarte para la promoción Sprint ahora mismo. Te dejo el enlace en la descripción aquí abajo y si usas mi enlace podrás tener 20 euros de descuento ahora mismo en tu depósito. Yo creo que es una buena oportunidad y un buen reto. Ahora mismo empezamos el test y a ver cuál es tu nivel de francés. ¡C'est parti! Niveau A1, première question. Je vais cinéma. Je vais au cinéma. Elle, français. Elle parle français. Tu, à la montagne. Tu es à la montagne. Elles sont italiennes. Il est 17h15. Où il est? Il est 17h15. Où il est? 5h15. Elle est en train de boire limonade. Elle est en train de boire de la limonade. Seguimos con el nivel A2. Niveau A2, première question. C'est stylo, pas le tien. C'est mon stylo, pas le tien.
Nous, au cinéma demain soir. Nous irons au cinéma demain soir. Le film « J'ai regardé » était très intéressant. Le film que j'ai regardé était très intéressant. Il a commencé à jouer du piano quand il 7 ans. Il a commencé à jouer du piano quand il avait 7 ans. Il tôt le matin. Il se lève tôt le matin. Étions fatigués. Nous étions fatigués. On continue avec le niveau B1. Première question. Pierre aime le café? Oui, il boit tous les jours. Pierre aime le café? Oui, il en boit tous les jours. C'est une application qui sert à éviter le gaspillage. C'est une application qui sert à éviter le gaspillage. Ses sièges sont occupés, mais sont libres. Ces sièges sont occupés, mais ceux-là sont libres. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu sois obligé d'annuler ton voyage. Si tu as encore de la fièvre demain matin, j'ai peur que tu sois obligé d'annuler ton voyage. Je lis sur Internet que dans les livres. Je lis autant sur Internet que dans les livres. Je voulais parler hier. Mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais t'en parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. On continue maintenant avec le niveau B2. Si j'avais consacré moins de temps aux jeux vidéo, aux examens. Si j'avais consacré moins de temps aux jeux vidéo, je n'aurais pas échoué aux examens. J'ai entendu dire que le maire supprimait le festival de chant folklorique. J'ai entendu dire que le maire souhaitait supprimer le festival de chant folklorique. C'est un pays magnifique. Je resterai toujours attachée. C'est un pays magnifique auquel je resterai toujours attachée. Que signifie la phrase « Je suis navrée » ? Je suis désolée.
Je ne suis pas certain qu'il. Rétablir l'uniforme à l'école. Je ne suis pas certain qu'il faille rétablir l'uniforme à l'école. De nombreux candidats trichent sur leur CV en vue recruter plus facilement. De nombreux candidats trichent sur leur CV en vue d'être recrutés plus facilement. On continue maintenant avec le niveau C1, niveau avancé. Une fois que Thomas des échantillons de roches, il les enfermera dans des tubes. Une fois que Thomas aura récolté des échantillons de roches, il les enfermera dans des tubes. Le maire prendra des mesures après que les habitants leur opinion. Le maire prendra des mesures après que les habitants auront exprimé leur opinion. L'allocation d'un revenu universel est un sujet. Les désaccords sont nombreux. L'allocation d'un revenu universel est un sujet sur lequel les désaccords sont nombreux. Le piratage des livres est un problème bien connu et je doute. Le piratage des livres est un problème bien connu et je doute qu'il se soit trompé. Si les pouvoirs publics luttaient plutôt contre l'obésité, nous pu éviter la catastrophe pour nos enfants. Si les pouvoirs publics avaient lutté plutôt contre l'obésité, nous aurions pu éviter la catastrophe pour nos enfants. Reformulez cette phrase à la voix passive. Le professeur a corrigé les devoirs. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Et maintenant, le niveau le plus avancé, le niveau C2. Question numéro 1. Le développement des bibliothèques numériques exige de nouveau. Le développement des bibliothèques numériques exige de nouveaux savoir-faire. Je vous propose le premier sujet de la réunion. Je vous propose d'aborder le premier sujet de la réunion. Quelques années, ils avaient créé un village dédié à l'écotourisme. Quelques années auparavant, ils avaient créé un village dédié à l'écotourisme. Les deux présidents ont les principaux sujets économiques.
Les deux présidents ont évoqué les principaux sujets économiques. Bien que la transition énergétique, il y a quelques années, les résultats sont encore loin d'être satisfaisants. Bien que la transition énergétique ait démarré il y a quelques années, les résultats sont encore loin d'être satisfaisants. Quel verbe est synonyme de trouver? Dénicher. Ya hemos terminado. Entonces, dime en los comentarios cuál es tu nivel, hasta qué nivel llegaste sin fallar ninguna de las preguntas. Si quieres mejorar tu nivel, pues te invito a suscribirte al canal y a darle a la pequeñita campanita aquí abajo que tienes para seguir las clases conmigo y aprender más cosas en francés. A très bientôt. Bisous à tous.